Chers internautes, bonjour. Nous recevons aujourd'hui l'historien universitaire Vincent Lemire qui nous parlera des rapports entre islam et Jérusalem. Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous étiez étudiant à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Oui. Vous étiez professeur d'histoire à l'Université Marne-la-Vallée et vous dirigez aujourd'hui le Centre français de Jérusalem. Oui. Nous vous remercions de venir discuter et converser de Jérusalem et l'islam, qui est un vaste sujet. Et pour commencer notre interview, qu'on va subdiviser en deux temps, sur la place de Jérusalem dans la civilisation islamique et dans l'histoire de l'islam, et vos derniers ouvrages que je conseille à tous, amis internautes, Vincent Lemire, Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, que je moi-même ne connaissais pas, et que, en lisant votre livre, j'ai appris tant de choses, mais je pense qu'on va en parler. Tout d'abord, sur l'histoire islamique de Jérusalem, durant quelle période, mon cher Vincent, la ville de Jérusalem a-t-elle été sous souveraineté islamique ? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est davantage travaillé dans mes livres de synthèse, donc « Histoire d'une ville-monde » chez Flammarion, qui est de 2016, qui est un livre collectif, et puis cette bande dessinée « Histoire de Jérusalem » qui vient de sortir, 4000 ans d'histoire, voilà. Bon, les dates sont connues, hein, enfin elles sont connues et elles flottent un petit peu en même temps. 635-638, hein, cette fameuse conquête de Jérusalem, dont on n'a pas grand souvenir. Donc 635-638 jusqu'en 1917. Donc ça fait à peu près 13 siècles, moins le siècle des croisades, donc le 12e siècle, à peu près 1200 ans continuent à part la période des croisades. Ce qui est frappant aussi, c'est de voir que l'islamisation de Jérusalem, la conquête islamique de Jérusalem, elle suit immédiatement la prophétie, premièrement, et puis deuxièmement, que quelques décennies plus tard, la décision est prise par Abdelmalik de construire le Dôme du Rocher dans les années 680. Il faut s'imaginer, on dit toujours Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam, mais d'un point de vue historique et chronologique, soyons encore plus simples, d'un point de vue chronologique, le Dôme du Rocher, c'est le plus ancien monument islamique conservé au monde. 680, c'est bien plus ancien que tout ce qu'on peut voir à la Mecque ou à Médine, quoi. Donc, le Dôme du Rocher, dans l'imaginaire islamique, c'est quelque chose de fondamental. C'est un bâtiment qui préexiste à la fixation du texte coranique. Donc, les inscriptions qu'on voit à l'intérieur du Dôme du Rocher, c'est des inscriptions proto-coraniques. Et ça, tous les musulmans du monde le savent, quoi. Donc, la place de Jérusalem en islam, elle est évidemment fondamentale, elle est fondatrice. C'est, dans cette bande dessinée, ce fameux récit, qui est en partie légendaire, mais qui est très signifiant, du dialogue entre Omar et Abu Isaac. Abu Isaac, c'est un rabbin yéménite dont on ne sait pas très bien s'il est converti à l'islam ou pas. Hein, c'est tous ces rabbins du Yémen voilà, qui vont constituer les premiers théologiens de l'islam. Et Omar demande à Abu Isaac où se trouve le rocher d'Ibrahim. Abraham, Ibrahim. Et le rabbin lui montre et lui dit c'est là. C'est une conquête sur l'Empire byzantin, hein, donc l'ancienne esplanade du Temple est complètement vouée aux ruines. Quoi. Il ne restera pas pierre sur pierre, disait le Christ. Donc l'histoire byzantine, c'est la ruine. Le rocher est là, et Omar ajoute « Alors, où faut-il construire l'espace de prière ? Où faut-il construire la mosquée ?» Et Abu Isaac lui répond « T'as qu'à la mettre au même endroit, comme ça tu réuniras la prière de vers Moïse et puis la prière vers Mahomet. » Et là, Omar lui dit « Non, Abu Isaac, il faut distinguer la prière vers Moïse et la prière vers Mahomet. Et donc, on va mettre Al-Aqsa au sud du rocher. Et donc, on va prier vers la Mecque, vers le sud, et pas vers le rocher d'Ibrahim. » Donc, on comprend à ce moment-là que cette refondation du sanctuaire d'Abraham, appelons-le comme ça. Le Dôme du Rocher, c'est un sanctuaire à la mémoire d'Ibrahim, c'est-à-dire à la mémoire de la première alliance, quoi. Et la mosquée Al-Aqsa, en fait, c'est le moment où l'islam va véritablement se distinguer de l'autre grand monothéisme qu'est le judaïsme. Sachant qu'à ce moment-là, le christianisme
c'est déjà presque plus un monothéisme pour les théologiens de l'islam des origines. Hein, c'est la fameuse question de la Trinité et de l'incarnation qui est très difficile. Donc, bref, Jérusalem, c'est un lieu fondateur dans la culture islamique et dans l'histoire islamique. Et est-ce qu'on peut dire que Saladin va inscrire en fait l'histoire de Jérusalem dans la civilisation islamique, grosso modo jusqu'aux Ottomans? Parce qu'à partir, parce qu'il y a une césure avec les croisades, mais que Saladin, avec la bataille de Hattin en 1187, va inscrire Jérusalem dans l'histoire de l'islam. Voilà, la conquête islamique c'est 635, mais l'islamisation de la ville, vous avez raison, c'est Saladin. Donc c'est 1187. C'est le moment où vraiment il va y avoir une politique très très déterminée d'islamisation non seulement des lieux saints et des traditions, mais aussi de la population. On va faire venir des populations de loin, on va mettre en place des fondations pieuses pour accueillir des pèlerins de très très loin, on va en parler. On va créer des écoles coraniques, et des écoles coraniques qui débordent très très largement des traditions locales. Donc c'est sûr que Saladin, c'est la grande figure et la véritable figure en fait de l'islamisation de Jérusalem, parce que Omar, entre nous, c'est ce qu'on dit dans cette bande dessinée, le calife Omar, il est probable qu'il ne soit jamais venu à Jérusalem, ça c'est presque certain. Il est sans doute passé plus au sud, hein, il est sans doute passé dans le golfe d'Aqaba. À l'époque, les tribus arabes et les armées de Mahomet et des lieutenants de Mahomet appellent toujours Jérusalem Ilia, qui est son nom romain, en fait, Aelia Capitolina, donc Ilia. Et il est probable que le seul texte qui mentionne la visite d'Omar, en fait, c'est un texte où il parle de Eilat, Eilat aujourd'hui. Omar, a priori, n'a pas été à Jérusalem, mais peu importe, peu importe. Le moment de la conquête, puis la reconquête en fait par Saladin, font effectivement de Jérusalem un lieu pivot de la culture islamique. Et la fin, ce sont les Ottomans, parce qu'en fait la fin de la prégnance, on va dire, et de la tutelle de souveraineté islamique sur Jérusalem, c'est la fin de l'Empire ottoman. Et en fait, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et le dépècement de l'Empire ottoman. Oui, c'est 1917. Depuis 1516, c'est le sultan ottoman qui est souverain à Jérusalem. Et il est sultan, mais il est également calife. Hein, on sait, hein, le dernier califat jusqu'à 1924, c'est le califat ottoman, en tant que puissance souveraine des lieux saints de la Mecque et de Médine. De ce point de vue-là, le fait que Jérusalem soit comme un joyau sur la couronne impériale du sultanat et du califat, c'est extrêmement important dans l'imaginaire ottoman, et ça justifie que cohabite à Jérusalem évidemment une population musulmane, mais aussi une population chrétienne et une population juive. Il faut bien s'imaginer que jusqu'à la fin du 19e, Jérusalem, à part pendant la période des croisades précisément, Jérusalem a toujours évolué dans un contexte impérial. Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? Un empire, c'est un État qui tire sa légitimité du fait qu'il règne sur plusieurs nations et sur plusieurs religions. Sinon, ce n'est pas un empire, c'est un royaume. D'accord ? Donc, tous les empires islamiques, l'Empire ottoman, mais avant l'Empire mamelouk, mais avant l'Empire omeyyade, etc., ont considérer Jérusalem comme un joyau fondamental sur leur couronne impériale, parce que c'était là qu'ils pouvaient justement mettre en scène ce dépassement à la fois des communautés ethniques et des communautés nationales. Tout ça se termine en 1917, et c'est ça le vrai tournant. C'est le moment où Jérusalem bascule dans l'ère des nations, hein, quitte l'âge des empires et rentre dans l'ère des nations, et Jérusalem devient le lieu d'une revendication nationale, de deux revendications nationales en réalité, et on rentre là dans une toute autre histoire. Et est-ce qu'on peut dire que la tradition impériale islamique sur Jérusalem a permis aussi une tolérance, ou en tout cas un rapport avec l'altérité confessionnelle ? Parce qu'en lisant votre BD, on voit très bien que les juifs et les chrétiens, et notamment les chrétiens d'Orient, ont vécu, je dirais pas tout le temps en harmonie, parce que c'est pas le cas, mais grosso modo, il y a eu un rapport de tolérance et de respect mutuel des identités confessionnelles.
Moi, je suis intimement persuadé que Jérusalem, par sa vocation universelle, en tant que berceau commun des trois monothéismes, est une ville qui évolue bien plus facilement dans un contexte impérial que dans un contexte national. C'est tout à fait évident. Le vrai grand moment d'intolérance, c'est le début de la période croisée. Hein ? Les croisés, quand ils prennent Jérusalem en 1095, non seulement ils massacrent tous les musulmans, mais également tous les juifs, et également tous les chrétiens orientaux. En gros, tout le monde, sauf les latins catholiques. D'accord ? Ce qui fait qu'effectivement, il reste plus grand monde, et ensuite, ils sont obligés de faire revenir des chrétiens syriens et jordaniens pour repeupler la ville. À l'inverse, les périodes islamiques, et ça, c'est pas idéologique, c'est juste un constat historien que je fais, mais que font tous les historiens, hein, pour le coup, ça fait consensus, les périodes islamiques sont des périodes où les communautés juives sont acceptées dans la ville, de même que les communautés chrétiennes. Il y a une souveraineté islamique, il y a un droit islamique. Dans le fameux chapitre sur la période ottomane, dans cette bande dessinée, on met en scène abondamment le président, le cadi, hein, le président du tribunal islamique de Jérusalem, qui est un tribunal extrêmement prestigieux, qui est une cour d'appel, etc., devant laquelle viennent plaider, bien sûr, les musulmans, mais aussi les chrétiens, mais aussi les juifs. Et y compris quand ils ont des conflits intracommunautaires. Deux commerçants juifs qui sont en conflit pour une histoire de dette non réglée vont plaider devant le tribunal islamique de Jérusalem, qui est un tribunal qui fonctionne sous la loi islamique, hein, sous la charia, parce que c'est considéré comme un tribunal extrêmement compétent, extrêmement pertinent dans ses avis juridiques. Et à la limite, on va presque plus plaider devant le tribunal de la charia quand on est deux commerçants juifs que devant le tribunal rabbinique, parce que peut-être le rabbin, c'est le cousin d'un des deux ou quelque chose comme ça. Donc, il faut se remettre dans ce contexte-là, dans ce contexte impérial, on va dire pré-national, où Jérusalem, et notamment ses instances religieuses, donc ses instances juridiques, parce qu'à l'époque, c'est extrêmement lié, est un lieu de prestige, est un lieu de... On peut dire de cohabitation, je ne sais pas si on peut dire de tolérance, parce que là, quand on dit tolérance, on interprète. En tout cas, on peut dire de coprésence, au minimum. Est-ce que on peut parler de cette notion qui est fondamentale à Jérusalem, qui montre sa prégnance historique, la question du warf ? Et vous montrez, évidemment, on en reparlera tout de suite après, dans votre ouvrage Au pied du mur, le rôle qu'a pu être le work of d'Abou Médiane à la période où Saladin prend la souveraineté sur Jérusalem, de ses fondations pieuses. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour vous la notion de work sur le plan historique et historiographique ? Mais en fait, pour faire comprendre ça à des gens qui sont de culture, de culture occidentale, qui ne sont pas de culture musulmane, un waqf, c'est ce qu'on appellerait dans le monde occidental chrétien un bien de main morte. D'accord ? Un bien de main morte, c'est un bien terrestre qu'on donne à Dieu. Donc ça peut être une terre, une ferme, un village, un hôtel, un caravansérail, peu importe. Quelque chose qui rapporte des actifs. Et on le donne à Dieu, mais c'est en ça que c'est un bien de main morte, c'est-à-dire qu'il est inaliénable, hein, il ne peut pas revenir dans le monde des hommes, et il est donné dans un but bien, bien précis, pour entretenir un orphelinat, ou pour entretenir un aqueduc, ou une fontaine, ou pour apporter à manger aux nécessiteux pendant le ramadan, ou pour habiller les pauvres pendant l'hiver. Enfin bref, en fait, c'est une fondation pieuse, qui a vocation à rendre un service qu'on appellerait aujourd'hui un service public. Je parle là des waqfs publics. Hein. Les waqfs privés, c'est des fondations, on va dire, familiales, hein, qui ont une vocation plutôt en termes d'héritage. Quoi. Mais les waqfs... C'est inaliénable. Voilà. Les waqfs publics, évidemment, ils ont une fonction très très importante parce qu'ils permettent une certaine stabilité, une certaine pérennité. Ils permettent aujourd'hui, alors dans le contexte israélo-palestinien actuel, évidemment, ces waqfs, ils sont importants parce qu'ils sont une des dernières barrières juridiques, hein, qui permettent d'une certaine manière de défendre la propriété palestinienne, même si ce n'est pas si simple. En tout cas, oui, c'est un élément fondateur
à Jérusalem. On parle dans cette bande dessinée, à un moment, on parle de la fameuse soupe populaire de Hasekhi Sultan, la femme de Soliman le Magnifique. Et c'est une soupe populaire qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. Qui servait la soupe à des milliers d'indigents tous les jours, quoi. Donc c'est pas cosmétique, c'est vraiment des institutions structurantes de l'ordre public, de l'espace public et de l'assistance publique, quoi. Et pour finir sur Jérusalem et l'islam, mon cher Vincent, on évoque souvent les pays musulmans qui ont un droit de protection des lieux saints. Et on voit évidemment, compte tenu des soubresauts géopolitiques dans la région, que cette notion revient de manière lancinante. Et si je ne me trompe pas, le royaume hachémite, la monarchie saoudienne, les monarchies saoudiennes et marocaines ont un devoir de protection. Ce devoir de protection, il est utilisé comme une arme aussi de soft power par les pays de tradition musulmane qui ont un devoir de protection. Comment vous voyez cette question géopolitique de protéger les lieux saints de l'islam, et notamment le dôme du Rocher? Mais pour l'instant, il y a la question religieuse et puis il y a la question géopolitique, quoi. Sur le plan géopolitique, a priori, c'est le royaume hachémite jordanien qui a un droit prééminent sur Jérusalem-Est et en particulier sur l'esplanade des mosquées et sur la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi ? Parce que l'annexion post-1967 n'a jamais été reconnue par le droit international, et donc, du point de vue du droit international, à Jérusalem-Est, et donc sur l'esplanade des mosquées, on est en Jordanie. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est la prééminence du Waqf jordanien sur les lieux saints musulmans de Jérusalem, elle me semble incontestable sur le plan, encore une fois, du droit international actuel. Quoi. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, les Saoudiens d'une part, parce que la Mecque Médine, la dynastie marocaine, je crois que c'est eux qui président le comité Al-Aqsa, etc. Bon, les grandes dynasties islamiques, ou on pourrait dire les dernières dynasties islamiques, parce qu'il n'en reste pas tant que ça, se considèrent comme protectrices des lieux saints musulmans de Jérusalem, ce qui est tout à fait logique. Hein, on est dans un univers transnational. Aujourd'hui, ça peut paraître parfois, ça peut choquer. Hein, on est ici à la Fondation pour l'Islam de France, hein, donc on sait très bien que c'est très très important qu'il y ait ces frontières qui soient respectées. Et en même temps, il est tout à fait logique que les cultures religieuses soient des cultures transnationales, avec des gens qui circulent, avec des pèlerins, avec voilà. Et encore une fois, quand on se remet dans le contexte pré-20e siècle, proto-national, c'est tout à fait logique d'avoir, par exemple, des pèlerins maghrébins qui partaient du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie, qui allaient s'installer dans les lieux saints, que ce soit Jérusalem ou autre, et qui parfois y reviennent, parfois ne reviennent pas, parfois se marient sur place, parfois font des enfants, et où en fait ce monde transnational, islamique, mais aussi juif et chrétien, était beaucoup plus fluide et beaucoup plus poreux qu'aujourd'hui. Donc je dis juste ça pour dire que voilà, la question que le fait qu'il y ait des pays, des grands pays ou des petits pays ou des dynasties, etc., qui soient mobilisés pour la défense de certains lieux saints, en fait, c'est un héritage de l'histoire. Hein, c'est assez logique. Comme vous dites, ça peut avoir ensuite il peut y avoir des arrière-pensées géopolitiques X ou Y, mais ça n'a rien de surprenant, quoi, en tout cas du point de vue de l'historien. Cher Vincent, on vient au deuxième propos de notre interview, le quartier des Maghrébins à Jérusalem. Et moi, ce qui m'a surpris dans la lecture du livre, c'est déjà son titre, « Au pied du mur ». Mais de quel mur parle-t-on ? Parce que c'est aussi, me semble-t-il, en lisant votre livre, une perspective qui m'a taraudé depuis le départ. Je me suis dit, est-ce qu'on parle du mur des lamentations, qu'on appelle le mur occidental, et que cette esplanade aujourd'hui du mur occidental, c'est là où il y avait le quartier des Maghrébins. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous est venue cette idée d'écrire un récit sur ce quartier des Maghrébins, qui a une vie, parce qu'il y a une date de commencement et une date de fin, voilà, qui est la guerre des six jours, et aussi une question de méthode. Parce qu'en vous écoutant sur France Culture, notamment dans l'émission d'Histoire, vous soulignez la question de l'archive.
et votre méthode aussi en tant qu'historien de travailler sur un objet qui est passionnel et qui est politique, et comment le dépassionner par l'histoire. Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous avez fait un gros travail d'archives d'ailleurs, parce qu'il suffit de lire les notes de bas de page ou pour voir l'index, le glossaire à la fin du livre, pour voir toutes les archives sur lesquelles vous avez travaillé. Les archives de Jérusalem, les archives turques, parce que c'est important. Parce qu'il y a une grande histoire ottomane, il y a la municipalisation 1877, qui est très importante pour comprendre en fait là, comment Jérusalem s'est construite, en tout cas dans l'histoire contemporaine. Voilà, donc comment vous êtes venu cette idée ? Et vous avez entièrement raison, ce livre c'est d'abord une émotion et ensuite c'est une méthode. L'émotion c'est une rencontre, enfin pas une rencontre, un dîner chez Haifa Khalidi. Haifa, elle a été la custode de la bibliothèque de la Khalidia, de la bibliothèque de la famille Khalidi, qui sont des grands intellectuels, et des Walid Khalidi, Rachid Khalidi, etc. Voilà, qui, de Palestine et de diaspora, et notamment aux États-Unis. Haifa Khalidi, sa maison, qui est une grande maison de la famille Khalidi, est immédiatement au nord de l'actuelle esplanade du mur, Kotel, mur occidental, Al-Bourak. Et Haifa, un jour, je dînais chez elle et elle m'a raconté cette fameuse nuit du 10 au 11 juin 1967 au cours de laquelle l'armée israélienne a détruit le quartier maghrébin en une nuit, littéralement. C'est-à-dire que le soir, le samedi soir à 17h, le quartier est là, le dimanche matin, il n'y a plus de quartier. D'accord ? L'expulsion des habitants s'est faite en 2 heures, entre 16h et 18h, et la destruction du quartier dans la nuit. Quand même entre 800 et 1000 habitants. Et Haifa est née en 1949. Donc en 1967, elle avait 18 ans. Et elle a vécu cette destruction par les bulldozers, vraiment, depuis sa fenêtre. Et quand elle me l'a raconté, ça a été comme une espèce de choc électrique. C'est comme si je le vivais avec elle, quoi. Donc je suis sorti de là en me disant, mais c'est une histoire incroyable. Un quartier entier de Jérusalem, fondé par Saladin, à la fin du XIIe siècle, a été rasé en une nuit, il y a un peu plus de 50 ans, il n'y a pas très longtemps. Il y a énormément de témoins, hein. 50 ans, c'est pas... Il n'y a pas de livre dessus. Il y avait un ou deux articles, enfin très très peu de choses. Donc d'abord la surprise. Et donc ensuite la méthode. Vous l'avez dit, c'est un sujet extrêmement passionnel. J'allais dire, on est dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire, on est au cœur des lieux saints de Jérusalem. On est devant le mur occidental, côté la Maharavi. Donc considéré comme, voilà, qui est aujourd'hui, on va dire, le lieu saint central du judaïsme. Donc oui, c'est un sujet extrêmement sensible et c'est pour ça qu'il faut redoubler de rigueur et de méthode. Et ça passe évidemment par les archives, à la fois pour faire l'histoire du quartier, l'histoire au long cours, comment il fonctionnait, quels étaient les revenus qui permettaient d'accueillir ces pèlerins, etc. Et puis pour faire l'histoire de sa destruction, qui l'a décidé, quand, pourquoi. Et puis pour faire l'histoire aussi des habitants du quartier après la destruction. Tout ça, c'est une affaire d'archives. Et ça permet effectivement de faire bouger un petit peu ce fameux titre au pied du mur avec une découverte surprenante. C'est encore une fois, c'est la chronologie qui nous l'apprend. Le quartier maghrébin, il est fondé entre 1187 et 1193, on va dire. D'accord ? Quelques années après la prise de la ville par Saladin. A priori par Al-Afdhal Ali, qui est le fils de Saladin. Tous les historiens, israéliens, non-israéliens, tous les historiens du monde savent que le mur occidental devient un sanctuaire juif au milieu du XVIe siècle, d'accord, à l'époque de Soliman le Magnifique. Jusque-là, les communautés juives de Jérusalem prient sur le mur oriental de l'ancien temple, devant ce qu'on appelle aujourd'hui la porte double ou la porte dorée, voilà, qui est une porte messianique avec un imaginaire apocalyptique, hein, qui est cette fameuse porte murée qui ne s'ouvrira que pour la venue du Messie ou du Mahdi, peu importe. Au milieu du XVIe siècle, les communautés juives se mettent à prier devant ce qu'on appelle à ce moment-là le mur occidental. Et il y a évidemment quelque chose de très troublant et dans la proximité aussi entre l'arabe et l'hébreu, c'est que ce mur en hébreu, c'est le Kotel HaMaravi, hein, donc le mur de l'Occident. Et en même temps, les Maghrébins, on sait bien ce que ça veut dire, les Maghrébins, c'est les Occidentaux. Hein, c'est les musulmans de l'Occident, les musulmans du soleil couchant. D'accord ? Et les Maghrébins, en hébreu, c'est les Maravim. La question, c'est... Et ce mur, on sait bien que ce mur aussi, il a une histoire islamique.
Hein, Al-Bourak, c'est une histoire qui est évidemment contemporaine de l'histoire du quartier maghrébin. Vous parlez de l'ascension céleste d'Al-Bourak, la jument, voilà, le voyage nocturne du prophète Mohammed. Voilà, la jument ailée du prophète, que le prophète aurait attaché donc à ce mur. Donc ce mur qui est évidemment, et de façon visible, et on est certain que tous les contemporains de l'époque voyaient bien que c'était un mur hérodien. C'est-à-dire, quand on le regarde aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas de la maçonnerie médiévale ou croisée, quoi. Hein, c'est des blocs hérodiens. Donc c'est un mur biblique. Donc il peut être salomonien, il peut être hérodien dans l'imaginaire, peu importe. Il a été évidemment islamisé dans la tradition, quoi. Il est possible que pendant plus de 3 siècles, presque 4 siècles, où le quartier maghrébin préexistait ce mur occidental, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est la fameuse thèse de Louis Massignon, grand islamologue du Collège de France, c'est de dire, mais peut-être que ce mur, en fait, il s'est appelé pendant quelques siècles le mur des Occidentaux, c'est-à-dire le mur des Maghrébins, avant de s'appeler le mur occidental du Temple. Ça, c'est des... Alors, ça peut faire sourire, ou on peut se dire, oui, non, peut-être. Ça, à Jérusalem, c'est... À chaque pas, pratiquement, on a des étymologies comme ça qui se mélangent, qui s'entrecroisent, et qui, en fait, la question, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, c'est de découvrir à travers ces étymologies croisées, justement, l'entremêlement des traditions religieuses à Jérusalem. Et à ce sujet, vous montrez dans votre ouvrage le rôle qu'a joué le quartier des Maghrébins, mais dans le pèlerinage, justement, à Jérusalem. Et comment le soufisme traditionnel s'est arrimé au Maghreb, aux fondations pieuses, notamment à la fondation Abou Médiène, parce que vous avez un chapitre qui est consacré à cette fondation, au Waqf d'Abou Médiène, pour montrer la place des Maghrébins dans la vie de Jérusalem, et que certains ont décidé d'y habiter. Et qu'il y a des Maghrébins qui ont habité à Jérusalem, qui étaient originaires du Maghreb et qui ont participé à l'identité culturelle de Jérusalem. Bien sûr, parce que jusqu'aux années 1960, on va dire, on ne fait pas le pèlerinage à la Mecque, on ne fait pas le pèlerinage en avion. On fait le pèlerinage à pied ou en bateau ou les deux. Et généralement, donc, quand on arrive du Maghreb ou quand on arrive de l'ouest de la Méditerranée, on accoste soit vers Alexandrie, soit vers Jaffa, enfin voilà, on accoste au Proche-Orient, au Levant, et puis on va rejoindre la fameuse grande caravane de la Mecque qui part de Damas vers la Mecque. Et donc l'étape de Jérusalem, et d'Hébron d'ailleurs, est une étape très importante sur le chemin du pèlerinage. C'est un pèlerinage qui prend plusieurs mois, parfois plusieurs années, on part pour longtemps. Et c'est justement à Jérusalem et à Hébron qu'on se met en état de sainteté. C'est seulement à Jérusalem, par exemple, qu'on s'habille en blanc, hein, et qu'on se prépare à arriver à la Mecque. Donc il faut aussi comprendre ce quartier maghrébin de Jérusalem comme une espèce de je ne sais pas comment on pourrait dire, de première étape, oui, de sas sur le chemin de la Mecque, à l'aller ou au retour d'ailleurs, on peut aussi s'y arrêter au retour. Et puis vous avez raison, on peut tomber malade, alors on va y rester plusieurs mois, et puis on va guérir, et puis on va peut-être s'y marier, ou alors on va mourir. Et si on meurt, on peut donner ses biens à la fondation, par exemple. Et comme ça, on va créer une tradition maghrébine à Jérusalem. Et ce qui est très frappant, c'est que cette tradition, donc, elle date de la fin du XIIe siècle, mais en 1967, elle est encore très vivace. Et j'allais dire encore aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, vous avez des Al-Marakchi, des Al-Tounsi, des Al-Jaziri. Enfin, vous avez des noms qui sont très manifestement maghrébins et des familles qui cultivent cette identité maghrébine très très fortement et qui ont des liens avec leur famille au Maghreb. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas comme une colonie maghrébine qui se serait installée fin 12e ou 13e, puis qui aurait perduré. C'était en fait des liens incessants jusqu'aux années 1960 avec des allers-retours. On revient à cette question du transnational, du religieux transnational, qui aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il faut des visas. Aujourd'hui, on les a ou on ne les a pas pour aller faire le pèlerinage ou ci ou ça. Il faut se remettre dans ce monde d'avant les nations où, en gros, on est dans une structure impériale. Peut-être le voyage est plus difficile sur le plan matériel, mais il est bien plus facile sur le plan juridique. Et vous montrez que les empires islamiques se sont servis aussi du quartier des Maghrébins comme forme de soft power religieux dans le monde islamique, pour montrer aussi l'importance qu'avait l'Occident, entre guillemets, musulman, dans la ville de Jérusalem.
Et ça, c'est un point qui me semble important. Alors, bien sûr, Saladin, puis les Ottomans, il faut être le calife de tous les musulmans. D'accord ? Donc, du monde sunnite et du cœur voilà, de l'islam sunnite. Mais il faut aussi intégrer cet islam occidental, dont on sait que, justement, parce qu'il est occidental, voilà, il a des écoles différentes, c'est l'école malikite, c'est l'école soufie, etc. Donc, il faut créer une unité. Et pour créer une unité, il faut évidemment encourager ces pèlerins qui sont plus loin, donc il faut les aider plus particulièrement. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des dons, par exemple, du sultan ottoman, tous les ans, il va y avoir des dons particuliers pour les maghrébins de Jérusalem. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a une autre puissance musulmane qui a voulu aider les maghrébins de Jérusalem à la toute fin de leur histoire. C'est la France. C'est la France. Alors, si je peux en dire un mot, parce que c'était vous. Bien sûr. Vous avez anticipé ma question. Le rôle qu'a joué René Neuville, parce que je pense que s'il y a un homme qui a incarné cette politique de la France à l'égard du quartier des Maghrébins et qui a vu son influence et son importance, c'est cet homme, oui. Voilà, qui était autrefois chancelier, puisqu'il avait travaillé avec Domal, ouais. Donc il connaît bien l'histoire de Jérusalem, et qui a conseillé Robert Schuman, qui était ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était proche aussi de Massignon. Ensuite, il a travaillé au Maroc, et ensuite, il est revenu. Voilà. Et quelle était sa position, fondamentalement ? René Neuville, c'est un personnage, donc c'est un des grands consuls généraux français. Il est consul général en France de 1946 à 52. Il meurt d'un cancer assez brutalement en 1952. Il se trouve que j'ai rencontré, il y a 10 jours, Jean Neuville, son dernier fils, qui a 83 ans, et qui vient très régulièrement à Jérusalem faire du bénévolat. Pour vous dire l'importance, Jean, il est né en 1939, donc il avait 13 ans quand son père est mort, mais il reste... C'est quelqu'un qui reste très très attaché à Jérusalem. René Neuville, il est diplomate, il est aussi historien, il est aussi archéologue. Vous l'avez dit, il a été chancelier à Jérusalem, donc numéro 3 du consulat dans les années 20. Puis ensuite, il a travaillé au Maroc et ensuite, il est revenu en 1946. Donc, il est un de ceux qui comprend, en fait, cette histoire globale et transnationale hein, de l'importance des liens entre islam du Proche-Orient et islam du Maghreb. Et avec Louis Massignon, qui est à ce moment-là quelqu'un de très important dans l'islamologie française et dans la diplomatie française, il va en fait mettre sur pied une opération diplomatique de grande ampleur à partir de 1949. Pourquoi ? Parce que le quartier maghrébin perd l'essentiel de ses revenus au moment de la première guerre israélo-arabe de 1948-1949. Le village qui apportait tous ses revenus au quartier maghrébin, c'était le village de Ein Karem, qui est à 5-6 km de la vieille ville de Jérusalem, et qui en 1948 se retrouve à l'ouest de la ligne verte, donc en Israël. Et donc, bah évidemment, il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de fermage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de revenus. Et donc la France, qui est là, on est dans le tout début du processus de décolonisation, et là on est complètement dans le soft power, la France cherche à affirmer vis-à-vis de ses populations musulmanes sa loyauté, et donc, ça c'est écrit, hein, la France, Neuville, Massignon, vont considérer, et Schuman va endosser cette politique, que la France doit se présenter comme une puissance musulmane vis-à-vis des populations musulmanes du Maghreb, et la France doit montrer la même vigueur dans la défense des lieux saints musulmans de Jérusalem que dans la défense des lieux saints chrétiens. Hein, on sait que la France a un mandat hein, depuis l'époque ottomane vis-à-vis des lieux saints chrétiens. Et alors ça peut faire sourire aujourd'hui, un peu plus de 60 ans après, que voilà, la France ait pu se présenter comme ça, comme une puissance musulmane, mais pourtant c'était bien le cas. Hein, c'est-à-dire que alors c'était pas des ressortissants, mais c'était des membres de l'Empire français, et en tout cas, dans cette utopie coloniale finissante, parce que Massignon et Neuville sont des gens qui veulent essayer de sauver l'Empire, y compris dans sa partie islamique, ils comprennent qu'en fait, il faut absolument défendre les lieux saints musulmans avec la même vigueur qu'on défend les lieux saints catholiques. C'est trop tard, hein, et ça va échouer. Et puis de toute façon, indépendance du Maroc, indépendance de la Tunisie, puis indépendance de l'Algérie en 62. Donc de toute façon, en 62, la France est obligée de considérer qu'elle n'a plus à se mêler du quartier maghrébin. Imaginez-vous qu'on est 5 ans avant la guerre des 6 jours seulement, on est 1962, 1967,
Et donc la France est obligée de déclarer à ses interlocuteurs israéliens, parce qu'il y a des procès en cours, hein, avec Ayn Karem, on ne peut plus se présenter dans la cause. Et en fait, la destruction du quartier maghrébin de 67, elle est déjà pratiquement programmée à partir de 1962, à partir de l'indépendance algérienne. Et c'est pour ça que vous avez un chapitre sur la période 54-62. C'est on sort, on va dire, de la tradition impériale et qu'il y a un grand jeu des nations qui va être central dans le devenir de ce quartier des Maghrébins. Oui, ces années-là, donc ça ne dure pas longtemps, vous avez raison, c'est 8 ans. Mais c'est important à rappeler aujourd'hui parce que voilà, c'est un moment où ces diplomates de tout premier ordre, encore une fois, Neuville, Massignon, Schumann, hein, c'est pas un sous-bureau de la division Afrique du Nord, Moyen-Orient, quoi, c'est le Quai d'Orsay, considèrent qu'il faut assumer une politique musulmane et même présenter la France comme une puissance musulmane si on veut sauver l'Empire. Voilà. Donc c'est comme une espèce de prise de conscience. Le quartier maghrébin, en fait, est un peu le prétexte pour pouvoir montrer cette loyauté vis-à-vis des musulmans. Mais c'est une loyauté en acte. Hein. De fait, il y a des travaux qui sont entamés. Il y a une école coranique qui est rénovée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pendant ces 8 ans. Et puis ensuite, la guerre d'Algérie arrive. Et là, on voit bien que là, c'est un peu le Il y a deux directions historiques qui se télescopent, quoi. Il y a une section du Front de Libération Nationale algérien, du FLN, qui se monte à Amman avec une antenne à Jérusalem, et où il y a des indépendantistes algériens du quartier maghrébin de Jérusalem qui distribuent des tracts pour dire aux habitants « Refusez l'argent impérialiste de la France qui combat nos frères en Algérie et au Maghreb. » C'est terminé. Je veux dire, la contradiction historique, elle est trop forte. Et donc, ça ne peut plus tenir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a contradiction que cette histoire n'est pas intéressante à raconter. Et pour finir, qu'est-ce qui reste de la mémoire de ce quartier? Et que nous raconte le récit du quartier des Maghrébins dans l'histoire ville-monde, comme vous dites, de Jérusalem? Alors, il reste, comme je vous l'ai dit, d'abord, il reste énormément d'habitants et de descendants des habitants. C'est un quartier qui a été détruit il y a 55 ans. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait une quinzaine d'années au moment de la destruction, donc a des souvenirs très prégnants, il a 70 ans aujourd'hui. D'accord ? Donc, il y a des souvenirs très prégnants. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants, ils portent ça dans leur nom, hein, encore une fois. Al-Fassi, Al-Tounsi, Al-Jazairi, ils ont des noms maghrébins, Al-Maghribi tout simplement, auxquels ils tiennent beaucoup. Il reste aussi Inzawiya, qui est à l'arrière du quartier, donc dans la partie ouest du quartier, sur le talus, en fait, il y a comme une espèce de petite falaise, comme ça. Et donc, tout le quartier a été détruit, sauf la maison des Abou Saoud, la fameuse maison où Yasser Arafat a vécu pendant quelques années. Celle-là, elle a été détruite en 1969 seulement, parce qu'elle était sur la butte, puis c'était une grosse bâtisse mamelouk. Et puis, il y a Inzawiya à l'arrière, côté ouest, qui n'a jamais été détruite, parce qu'en fait, elle ne fait pas partie, on va dire, du périmètre matériel du quartier. Donc, elle existe toujours. Et il y a un certain nombre de familles maghrébines qui vivaient dans le quartier et qui sont réfugiées dans la Zawiya. Et elles sont toujours là. On a été les voir la semaine dernière avec Jean Neuville, le fils de René Neuville, le consul général de France actuel, moi, quelques journalistes, etc. Pour vous dire que c'est une histoire extrêmement prégnante. Sur cette Zawiya flotte un drapeau marocain. Alors évidemment, là on voit que tous les jeux géopolitiques, même les plus actuels, ont à voir. On se rend compte qu'aujourd'hui, le Maroc s'investit, se réinvestit dans la protection de ce quartier. Comme vous le savez, le Maroc s'est rapproché d'Israël il y a quelques mois. Du côté algérien, au contraire, on reste extrêmement, extrêmement distant. En même temps, il y a des habitants d'origine algérienne, il y a aussi des habitants tunisiens. Donc c'est aussi l'histoire du Maghreb, hein, qui se joue dans cette Zawiya, dans cette petite Zawiya où il y a 8-9 familles qui vivent là. Donc la mémoire, elle est forte. J'allais dire, elle est de plus en plus forte, en fait. C'est comme si, après la destruction, il y avait eu quelques décennies de silence. Et là, peut-être les enfants, les petits-enfants, et puis les derniers habitants qui vraiment ont vécu dans le quartier vont mourir. Il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc la mémoire, elle est de plus en plus forte. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième partie de votre question sur le quartier maghrébin comme paradigme un peu de l'histoire de Jérusalem.
Oui, de mon point de vue, Jérusalem, c'est une ville monde. Ça ne veut pas dire que c'est une ville... C'est pas New York, ou c'est pas Londres, ou c'est pas ça. Ça veut dire que c'est bien plus fort, en fait. C'est pas Dubaï non plus. Non, c'est que depuis l'origine, Jérusalem est une ville qui a une vocation universelle. C'est un peu un gros mot, universel, mais au sens où c'est le berceau commun des traditions monothéistes. Hein, comme on l'a dit, c'est le lieu de l'alliance entre Abraham, Ibrahim et le Dieu unique, quoi. Ça, on peut pas. Il n'y a pas d'autres villes qui peuvent concurrencer ça. Et donc, depuis toujours, c'est une ville où effectivement des communautés sont venues, alors pour quelques jours, quelques heures, quelques années, toute une vie. D'accord, c'est une ville où les gens viennent d'un petit peu partout, projeter leur foi, leur croyance. Et donc il y a un quartier maghrébin, mais il y a aussi un quartier syrien, mais il y a aussi un quartier serbe, mais il y a aussi un quartier pakistanais, il y a aussi un quartier, voilà. Et aujourd'hui, on sait bien, il y a des quartiers, les quartiers ultra-orthodoxes, c'est des quartiers plutôt hongrois ou des quartiers plutôt d'Europe centrale. Voilà, Jérusalem, c'est une ville où depuis toujours, on parle toutes les langues, on prie à peu près tous les dieux monothéistes en tout cas. On archive aussi toutes les langues, ce qui fait que le travail de l'historien est assez délicat. Parce que voilà, c'est pas seulement l'arabe ou l'hébreu ou même l'ottoman, le turc ancien, mais en fait c'est aussi l'éthiopien, c'est aussi le russe, c'est aussi l'arménien, c'est aussi, en fait, c'est pratiquement toutes les langues de la terre qu'il faudrait pouvoir lire pour pouvoir faire l'histoire de Jérusalem. Donc il faut travailler toujours collectivement. Et effectivement, l'histoire du quartier maghrébin, c'est un peu le microcosme qui éclaire ce macrocosme de l'histoire de Jérusalem telle que je l'aperçois et telle qu'effectivement aussi on a voulu la raconter dans cette bande dessinée. Merci beaucoup Vincent Lemire. Ce que je peux dire aux internautes, c'est de lire avec passion Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, et surtout, voilà, une BD qui se lit très très bien et qui est passionnante et qui est une vraie synthèse de l'histoire de Jérusalem. Je la recommande vivement. Histoire de Jérusalem de Vincent Lemire. Merci cher Vincent d'être venu Merci à vous. Parler au campus Lumière d'Islam de la Fondation d'Islam de France. Merci.